Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Allez, cette semaine, restons dans les couleurs de l'automne et je vous propose de réaliser de jolies petites citrouilles pour décorer la maison. Vous allez voir qu'elles sont très simples à réaliser et elles sont en toile de jute. Nous resterons la semaine prochaine toujours dans les citrouilles et je vous proposerai à ce moment-là de les réaliser en papier. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous donne tout de suite rendez-vous à la table de travail, le temps juste de m'y installer. Allez, à tout de suite! L'atelier de cette semaine, et bien voici les fournitures que je vous propose. Nous aurons besoin et bien déjà d'un petit nécessaire de couture, ciseaux, épingles et machine à coudre. Nous utiliserons ici et bien de la toile de jute comme celle-ci que vous pourrez éventuellement peindre si ça vous chante. Donc je vous propose bien sûr deux couleurs, orange et vert, un pinceau mousse. Nous aurons besoin également de deux élastiques, de ruban si vous le souhaitez, et de laine. Et bien entendu, nous utiliserons également pour garnir notre courge, et bien tout simplement un peu de ouate de rembourrage. Allez, nous pouvons commencer. Dans un premier temps, travailler avec un coupon de toile de jute de 36 cm par 30 cm. Ensuite, travailler ce coupon en le repliant sur lui-même. Voilà. Et ici, nous allons tout simplement réaliser un petit ourlet et je vais pouvoir aller coudre à la machine. Pour votre pelote de laine, découpez 6 longueurs de laine d'environ 1,50 m. Réalisez à l'un des embouts un nœud. Si vous souhaitez peindre votre toile de jute en orange ou en peinture verte, c'est le moment de le faire. À ce moment-là, retournez à l'endroit, votre textile, et à l'aide d'un tampon mousse, vous allez peindre votre support. Également à faire les tranches. À ce stade-là, laissez bien sécher ou utilisez éventuellement un sèche-cheveux. Une fois que votre toile de jute est sèche, et bien retournez-la et venez placer à l'intérieur votre LED, comme ceci, en laissant légèrement dépasser l'embout ici où nous avons fait un nœud sur une surface. Et à ce niveau-là, nous allons prendre un élastique et fixer notre toile de jute.
l'ombrage du côté de la couleur. Et là, nous allons pouvoir eh bien, tout simplement rembourrer avec de la ouate. Et avec mon deuxième élastique, je viens refermer l'autre extrémité. Ensuite, avec mes fils de laine, je viens travailler la courge, comme ceci, et je viens entourer ici. Me reste plus qu'à la customiser, lui mettre un ruban ou alors quelques petites feuilles de feutrine par exemple. Rajouter un petit peu de colle chaude et le tour est joué. Voilà, cet atelier est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura tout du moins inspiré. Je vous donne donc la semaine prochaine rendez-vous dans un nouvel atelier de loisirs créatifs et toujours avec des citrouilles. Et je vous ai promis en papier. Allez, à la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle semaine créative à tous. Bye bye !